Et voilà les salles qui s'ouvrent. Départ validé dans ce premier rendez-vous du côté de Deauville. C'est le prix des Equidays avec Koenig Bernard en dehors, le numéro 3 qui s'est montré parmi les plus rapides. On est bien parti également en dehors avec le numéro 9 Dictina en pleine piste. On se rapproche désormais avec le numéro 16 Sirène Dorée, avec le 13 Mystical Power, avec également le 2 Malosol qui est là. Et le long de la corde, on est bien placé avec le numéro 4 Primera Vista. Et le numéro 15 Larga Charla vient un peu plus loin avec également le numéro 6 Kirinus à la corde. On progresse maintenant avec le numéro 11 Montalban. Déjà le tournant final avec Primera Vista, le 4 qui a l'avantage à ses côtés. On a le numéro 2 Malosol avec en dehors Sirène Dorée, le 16, 4ème place à la corde pour le numéro 11 Montalban avec à ses côtés Larga Charla, Kirinus également qui est là, suivi de Mystical Power. En dehors, on vient avec Koenig Bernard, Tolka est 7, 8ème. Au centre, on a Rageur avec à son intérieur également le numéro 10 Paradji. Elle a sorti bientôt du tournant final, encore 600 mètres à parcourir avec toujours Primera Vista, le 4 qui a l'avantage à son extérieur, le 16, Sirène Dorée, le 2 Malosol est sollicité. Koenig Bernard vient en dehors tout en étant sollicité. Kirinus patiente à la corde. On vient avec Montalban suivant encore du numéro 1 Tocho. Il reste 400 mètres à parcourir. Sirène Dorée maintenant, numéro 16 qui appuie sur l'accélérateur. On se défend avec Primera Vista, avec Koenig Bernard. Rageur qui vient en dehors. Montalban qui est facile. Primera Vista qui se défend bien. Paradji qui cherche le passage avec également le numéro 1 qui est Tocho avec en dehors maintenant. Rageur le numéro 12 qui a l'avantage avec également Paradji qui se défend bien. Bravia qui termine bien devant Montalban. Le numéro 1 Tocho avec Paradji, numéro 10 qui a l'avantage sur le numéro 12. Rageur Paradji qui s'impose. Rageur deuxième. Bravia est troisième. La quatrième place qui devrait revenir, semble-t il, au numéro 11 Montalban aux dépens du numéro 1 Tocho. Le 10 Paradji, je vous disais avant le départ qu'il était proche d'une victoire. Et bien voilà, c'est fait. Il s'impose aux dépens du numéro 12 Rageur qui confirme la forme d'Oumen. La troisième place pour le 5 Bravia. C'est bien Montalban le 11 qui est quatrième. Et c'est bel et bien le numéro 1 Tocho qui va compléter le The 5.